Oh, arrêtez. Arrêtez cette goutte d'eau. Du calme, mon cher Théo. Du calme. Vous faites tout ce que vous pouvez pour me démolir les nerfs. Il est si facile de faire ce que nous vous demandons. Je ne veux pas écrire cette lettre. Je le descends, monsieur Clagmus. Non, Grognache. Il va très bien comprendre. N'est-ce pas, cher monsieur Théo Courant? Non. Quel tort. Non. Quel grand tort vous avez. Un jeune savant comme vous, plein de mérite et de talent. Nous serions prêts à payer très cher ses services. Non, ne comptez pas là-dessus. Ah, dommage. J'allais arrêter les robinets et de faire vos liens. Alors, si j'écris cette lettre, Carole croira que je l'ai trahi. Son père me détestera. Mais il vous déteste déjà, puisque vous n'êtes pas revenu à l'heure, avec la petite lampe. Non, non, j'écrirai pas. J'aime Carole. Je veux qu'elle me garde son estime. Non, j'écrirai pas. Je le descends, patron. Non, non, non. Donne-moi la molette. Quelle molette? Oh, presque rien. Hein? Une petite molette des dentistes. Hein? Vous allez voir. Grognache. Patron. Ouvre la bouche. Ah, ouais. Mais pas toi, idiot! La sienne! Ah, oui, oui, bien, patron, bien. Mets ces bouchons pour empêcher les mâchoires de se refermer. Ouais, voilà. Parfait. À présent, jeune homme, on écrit cette lettre ou on ne l'écrit pas? Très bien. Moteur. Écrit. Remoteur, Grognache. Bien, patron. Ah. Je crois que notre jeune ami revient des bons sentiments. Retire le bouchon, Grognache. Sauvage. Brut! Oh, il y a plein de sang dans la bouche, monsieur Clagmus. Et alors, comme on dit chez les dentistes, cracher? Bien, salaud! Je crache sur toi! Oh! Oh, vas-y, frappe un type attaché! Vas-y! C'est tellement agréable! Oh non, non, non! À présent, du papier, un stylo. Et tu écris. Tu écris, n'est-ce pas? Oh. Parfait. J'édicte. Cher professeur, j'ai beaucoup réfléchi. Il m'est impossible de poursuivre mes travaux à vos côtés. On me propose une situation à l'étranger. À l'étranger? Écrit. Et je crois que je vais l'accepter. Tout de suite après, on le descend, patron. Tu es fou, Grognache, un pareil savant qui travaille pour nous. Jamais je ne travaille. Silence. Écris. Quant à cette petite lampe que nous cherchions à identifier, je vous conseille de toutes mes forces. Quant à cette petite lampe que nous cherchions à identifier, je vous conseille de toutes mes forces de ne plus y penser. Oh, tout ceci nous dépasse et ne pourrait que vous attirer mille ennuis ainsi qu'à votre fille, Carole. Donne, mon petit, donne. Ainsi qu'à votre fille, Carole, que jusqu'à ce jour, je croyais aimer plus que mon métier. Respectueusement vôtre, Théo Courant. Oh, c'est affreux. Ah non, mademoiselle Carole, ne pleurez pas. Puisqu'on vous dit qu'on est sûr qu'il a été enlevé. Mais un porteur de la gare du Nord l'a vu monter dans une Mercedes noire et recevoir un coup de matraque. Oh, c'était une comédie préparée à l'avance. Papa! Allons, allons, professeur. Oh, un garçon que j'ai fait de mes mains. Oh, vendu à Furac. Oui, eh ben, la question n'est plus là, mes amis. Oh. Vous avez peut-être reçu une lettre qui vous anéantit, mais moi, j'en ai reçu une qui m'intéresse. Ah oui? Laquelle, Fouvreau? Celle-ci. Monsieur, la concierge, vous ayant réclamé 3 fois sans résultat le montant de vos termes de janvier et d'avril... Et... Ouais. Oh non, pardon, ça, c'est de la correspondance personnelle. Ah, on se disait aussi. Oui, ouais. Non, la voilà. Tanger, le 20 novembre. Il se passe bien des choses à Tanger, monsieur Fouvreau. Et celui qui voudrait en savoir plus long sur l'affaire de l'obélisque pourrait très bien venir y faire un tour.
Il demanderait Maurice la grammaire au bar de la Grimace et je crois pouvoir affirmer qu'il reviendrait avec une belle petite. Quoi? Une belle petite? Oh, mais on y va! Ah, ça oui! Allez, 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 tous à Tanger! Youpi! Non, mais attendez, la phrase n'est pas finie. Hein? Il reviendrait avec une belle petite collection de renseignements. Mmh. Voilà. À bon entendeur, salut, signé Maurice Champeau, dit la grammaire. Alors, cher Black et White, on est toujours prêt à se rendre à Tanger? D'accord, j'accepte votre proposition. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement.